Attention, Kevin Testu qui rentre à la surface. Kevin Testu qui cherche une solution. Il a trouvé l'arrêt de Baligeon. Oh, quel arrêt de Baligeon. Bosetti pour Jean-Jacques Corot qui le centre. Et ça ne donne rien, heureusement, pour cette équipe du FCBB qui va le passer. Oh là, quel but! Oh, quel but! Oh, quel but du FC Annecy! Avec cette frappe lointaine, pile sur la transversale, et qui permet aux joueurs de Laurent Guyot de marquer et d'ouvrir le score. 1-0. Sans mettre l'autre trop en avant, c'est bien le cas quand on voit ce qui se passe sur le terrain. Attention à cette frappe qui passe juste au-dessus, cette frappe de Julien Ziani. Attention, Bassou Amina qui retrouve Moulaïba. Moulaïba qui avait peut-être l'opportunité de frapper, qui a temporisé. Et Moulaïba qui frappe, et c'est dedans. Et le but de cette équipe de Sébastien Borgo, signé Moulaïba. Il est allé se le chercher, ce but, le joueur du Sébastien Borgo. Il est allé se le chercher. Le défenseur de cette équipe d'Annecy qui a mis ce très mauvais ballon, Alexandre Fillon. Oh le tir qui est repoussé de justesse par Escalès. C'est la mi-temps sur ce score d'un but partout entre le FC Bastia Borgo et Annecy. Ruc qui remet. Oh le grand pont sur Yann Marmot qui va avoir mal après ça. Et attention, c'est dans cette surface, ça traîne. Et cette frappe lointaine qui n'est pas passée justement très loin des buts. Bassou Amina qui attend des solutions, il trouve Jérémy Grain qui va essayer de la mettre dans le paquet, c'est fait. Pour la tête de Campanès peut-être, et finalement c'est Bas qui rate sa tête derrière. Vous l'aurez compris, du côté du Sébastien Borgo, eh bien, en ne faisant qu'un seul changement sur cette phase de changement-là, on a un rouge. Un rouge pour Alexandre Campanès sur cette action. Oui, Pio selon l'arbitre de la rencontre, sans doute. Il reste une vingtaine de minutes de jeu avec les arrêts de jeu, puisque je pense qu'on sera plutôt de 4 ou 5 minutes d'arrêt de jeu. Ben là, ça, c'est sûr qu'il va falloir essayer de tenir au score. Attention, c'est l'équipe de Sébastien Borgo qui pourrait faire mieux. Et là, ils peuvent être déçus, les joueurs du FCBB. Ils peuvent être déçus parce qu'ils ne sont pas passés loin. Attention, Gonçalves qui retrouve Moni pour Kiremé. Oh, le but de cette équipe d'Annecy. Le but signé Omar Wadeh.